Cette vidéo est un hommage à Erwin Engapet. Hey. Oh. Ah. Oui. Oh. Ça va bien? Ça va? On partirait pas en vacances? Ouais! Allez, c'est parti! Allez, on y va! On a retrouvé les deux autres idiots. Voici notre coffre. Il y a un petit fût de bière et des gants. Enfin, il y a tout et n'importe quoi. Il y a tout et surtout n'importe quoi. Et surtout, ouais, moi je vais être assis là avec. Et le sac dessus là. Et le pied là, tout est rempli, tout est rempli de partout. Tout est rempli, on est full. ETI. Vacances. Barenton, nous sommes à Barenton. C'est parti. Allez, commune d'Europe. Bonjour, on est chez Barnabé. C'est ce film là? Oui, c'est. Alors, attendez, regarde l'endroit de la clé. C'est un petit, petit truc sympa. Si vous voulez la voler, le code c'est. Non, on le dit pas. Allez, c'est parti. Allez, alors là, c'est tout petit. Vraiment, c'est. Clément, ce soir, mon gars. Clément sort, on fait une petite bière. Oh, le pastis. Les gars, par contre, et vraiment, je passe pas la porte. Problème. Je passe pas la porte. Ah oui. Salle de bain. Salle de bain. Ouais. Attends, on commence par la salle de bain. La douche, elle a l'air vachement. C'est pas des petits jets, ça? La télé est sympa. Les petits jets. C'est les. Non, c'est. Ah ouais. En vrai, c'est stylé. Mais la télé est sympa. Bon, là, on passe pas. C'est des petits jets, putain. Le petit jet, putain. Oh, la chambre Harry Potter, mon gars. Oh, la dinguerie. Mais bien. Le sol n'est pas droit. La dinguerie de cette chambre. Il y a deux lits là. La vache, mais elle est si basse. Et j'avoue, hein, faut pas faire plus de 1m80. Hein. Mais putain, oh la vache. Oh, c'est la poutre. Qui c'est qui veut faire des tractions là? Et il y a quoi à gauche? Il y a un des radiateurs et un petit. Il y a un petit dressing. Et les chiottes. Ils sont bien les petites chiottes. Oh, bah, oh la vache, elles sont tellement. Attention. Attention. Attends, il y a un manuel. Warning. Ce WC est équipé d'un broyeur pour se boucher en cas de mauvaise utilisation. La belle fougère. Incroyable. Mais la dinguerie, non. Et attends, on voit quoi de là? Oh, lundi. Rien. Petit jardin au calme. Regarde, Samuel. C'est un cœur avec nous deux. Oh, c'est parti pour les vacances des copains, ouais. Vous voulez quoi? Je sais pas. Ça va toi? Mais. Idée de comment est le plan, mais on vient de faire les courses et du coup je vais vous montrer un très vite aperçu de notre frigo. Voilà notre frigo. Trouvez qu'il est beau notre petit frigo. Nous sommes partis pour une petite session de volley. Deux tours, deux retours comme Gandalf dans les deux tours. Il a regardé la caméra en fierté. C'est catastrophique. Wow. Oh, il a touché. Oh. Oh, oh oui, mon gars. Mes jambes étaient figées. J'ai fait. Merde. Replay. Voilà. C'est incroyable. Il y a le droit à plus que deux passes du coup. Merde! Bah, on va savoir si j'étais prêt ou pas. Vas-y! Oh! Celui qui perd, il fait la vaisselle. La vaisselle, c'est demain matin. Demain matin, ok. Et celui qui perd, les deux le font. Deux font la vaisselle demain matin. Il a fait une équipe, voilà, c'est ça. Ok, c'est parti! Non! Putain!
4-4, celui qui gagne, il a gagné. Non, non, 2 points d'écart. 2 points d'écart. Vas-y. Prends. Vas-y. Non. Oui, non, on va le voir. Non, non, il a sauté là, il a sauté vraiment là. La VAR, la VAR. Allez, la VAR, les gars. Non, VAR, là, les gars, la VAR. Pour moi, il dépasse. Hein. Et 4-4, c'est bon. Vas-y, à vous le service, ouais, Sam. Putain, on a fait une VAR juste pour dire, il n'y a rien. 4-1. Johan, 4-1. Tu sors sa dos, VAR, Nabé. Du coup, c'est une vidéo de Squeezie. Jordan 23. Putain, cette rêve de Johan. Moi, j'avais un pote, il s'appelait Johan. 4-1 pour Lucas Auchard. Tu sais que j'ai connu un mec qui s'appelait Johan 4-1. J'ai joué avec un paraplégique. C'est Stéphane Renou. Y'a pas la vaisselle, mon gars. J'ai joué avec Stéphane Renou. Y'a pas la. Mais c'était devant. Mais non, c'est terminé là. Collard. C'est trop con. Attends, je vais pas te prendre par derrière. C'est tout quoi. Attends, les vidéos se remettent au milieu de là. Il y a barre de vie. Il a fait une Rayman. L'acte de présence. Je suis Swag. Corentin Killer, le nouveau boss du Free Fight. Voilà, attention, c'est ici la bagarre ou quoi là? Attention, bonsoir à tous les amis. Bienvenue dans cette émission de Free Fight. À votre gauche. 1m79 en vrai. 1m79 67. Pour 1m67? Non, 1m67 kg. 1m67 kg. Et à votre droite, 1m12, 13 kg. Sature merde. Oh la vache, il est tellement agressif, c'est mieux. Oh la vache. Il y a une double dans la gueule. Oh la vache. Je suis désolé pour ça. La gueule de Romain concentré, c'est incroyable. Ça me tue, il n'y a plus aucun amusement. Oh la vache. La France éliminée en 8ème, on le rappelle à la caméra pour Romain quand il fera le montage. C'est pour donner la rage. C'est pas grave, Romy. Putain, la maturité des gens. Il est 3h du matin, on va aller dormir, je suis avec Barnabé. Barnabé, un bruit. Voilà. Aujourd'hui, du coup, si vous n'avez pas bien compris, du coup, on est arrivé dans notre maison de vacances à Barenton. Demain, on va essayer de filmer plus de trucs, même si aujourd'hui, on a fait pas mal de trucs, on a fait du volley, de la boxe, on a regardé Brooklyn Nine-Nine, très bonne série, je vous enlève ici. On a aussi tourné une vidéo pour... Une vidéo, on peut pas trop en parler, mais ce sera marrant, on vous mettra ça dans la description si c'est sorti, ou sinon on vous la mettra plus tard. Et sur ce, on se retrouve demain, je prépare le petit déj, et n'oubliez pas, vu qu'ils ont perdu au volley, c'est les deux autres gars qui font la vaisselle. Exact. Bisous, bonne nuit, à demain pour vous, c'est l'épisode prochain. Allez, bisous.